Felt comforted by the presence of the beast. If there were any wild animals left in Manistan, there was still hope.
After much thought, the detective became convinced that this scientist, this Jules Demers, must... hold the key. He had to get to the radio tower. Bears are shy creatures. Until one day, for no apparent reason, they react aggressively to feeling threatened. That day is often your last.
was difficult to imagine a polar bear living anywhere at this latitude, but specifically a polar bear with such a pristine coat and vivid blue eyes, which followed you with a disturbing insistence. After much thought, the detective became convinced that this scientist, this Jules de... Ayers must hold the key. He had to get to the radio tower.
Thank you.
salutations. Voyons voir, vous devez être le détective... C'est quoi le nom déjà? Ah! Carl Faubin? Ah, pas du tout. Mais votre posture, vos manières, votre accoutrement disent ancien militaire. Soit vous étiez le détective engagé par le GIA, soit vous étiez un agent étranger venu me zigouiller. J'ai préféré opter pour la pensée positive. Choix judicieux. Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'échappe pas aux probabilités. Avec la maladie, les menaces, maintenant la tempête. Avant elle, mes calculs mettaient son espérance de vie à 81 jours. Maintenant, si j'ajuste avec la tempête, et on est le... Ouais, il a excédé 2 jours. Un matin, notre William. Il était en état de grave dérèglement cellulaire, un peu comme un cancer, si vous voulez, avec dégénérescence accélérée. Il a été exposé à un élément. Je m'employais à trouver un remède avant que tout ça arrive. Ah, la bonne heure! Il me faut un prototype qui a été laissé à la HMC dans les archives. Un petit engin qui pourrait tout régler. Je suis bien heureux de votre arrivée. Y aller moi-même aurait assurément signifié ma mort. Ils ont découvert une météorite il y a plusieurs décennies. Un fragment de matière inconnue, venu des confins du cosmos pour frapper notre planète il y a de ça des milliards d'années. Ça vous en donnait le vertige. William a fait construire un laboratoire souterrain alentour. Ah, c'est une matière fascinante. Elle fait mentir tout ce qu'on connaît de la thermodynamique. Elle génère un froid glacial, peu importe la température de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et ses effets sont déroutants. Non contenus, elle génère une sorte de brume translucide, hautement radioactive, et qui induit une sorte de psychose à son contact, en plus de créer des mutations génétiques chez les plantes et les animaux. L'explosion du laboratoire en a malheureusement répandu partout dans la région. La radioactivité s'est probablement déjà attaquée aux organes vitaux. Je parierais pas sur votre survie. Avec, en plus, toutes ces bêtes mutantes et agressives qui se trouvent à l'extérieur, vous avez beau être un ancien militaire, mais oui. Notre ligue. Trouver ce prototype est de la plus haute importance. C'est notre seul espoir. Voici ma carte d'accès. Elle vous permettra de descendre dans la mine. Si vous trouvez d'autres fragments de mistanite, rassemblez-les. On en aura besoin et en bonne quantité. Alors, il y a une raison pour votre visite ou vous êtes seulement venu me déconcentrer de mon travail? Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, la tempête, les anomalies, tout est lié à l'explosion à la mine il y a quelques jours. J'en sais peu de choses. Je travaillais directement du manoir depuis quelque temps. Il y a plusieurs causes possibles. En plus des recherches, la HMC continuait de creuser. Il y a pu y avoir un souci technique, une erreur humaine. C'était peut-être même intentionnel. La HMC ne faisait pas l'unanimité. Surnaturel, oui, oui, si on veut. Corgelé, stalagmite, bête dénaturée. Et je soupçonne qu'il y a quelque chose d'autre qui soit né dans cette brume. Quelque chose qui se cache dans la tempête et rôde à travers la forêt. Quelque chose de sanguinaire qui commence à peine à faire ses ravages. Ils ont découvert une météorite il y a plusieurs décennies.
un fragment de matière inconnue, venu des confins du cosmos pour frapper notre planète il y a de ça des milliards d'années. Ça vous a donné le vertige. William a fait construire un laboratoire souterrain alentour. Oui, au revoir. For sure, Jules Demers was a strange character. Living in isolation could shake the most imperturbable of minds. But Carl had the intuition that the scientist's singularities were rather innate. Thank you.